On a vraiment franchi une grosse étape avec cet énorme bouchon de glace hein, dans le Pilsand, là qu'on vient de franchir, qui nous a posé quand même pas mal de problèmes. Mais en même temps, maintenant, on laisse ça derrière nous. Mais voilà, on attaque la suite avec de la nuit, avec des météos qui peuvent être compliquées parce qu'on avance dans la saison. On va arriver à la fin de l'été. À chaque étape, c'est bonheur et c'est souci. You know, when to travel, like this time of the year, when you see the pink in the sky. Our ancestors watch for that, and that's when they would travel from inland, from their inland journeys back to the coast. And when the ocean ice freezes, they wait for the snow to become the right density to build their shelter, and that's usually in late November or December before they travel and live out hunting seals on the ocean. And then when the sun comes back, it's when you could feel the heat on your cheek. That's when they travel back to the coast. Have you noticed a big difference since you were a kid? Big difference. In the ice first or in the animals? Or? Both. In both. Both. Yeah. Especially the ice. Yeah. For me, I think it's the ice and snow because we left the spring to travel to get around with the snow and the ice, but this year it's a lot shorter. Each year it seems to be getting shorter and shorter. Alors là, on est en plein milieu du passage du Nord-Ouest. On approche de la sortie canadienne. On est dans les dernières îles. Et il y a un coup de vent qui arrive là dans quelques heures. Il va y avoir 36 heures à peu près avec un fort vent de face. Donc on s'est mis à l'abri dans un fabuleux petit archipel en fait côtier là. Et coup de peau. Là où on est à l'abri, il y a une épave d'un bateau qui apparemment aurait une soixantaine d'années, qui daterait des années 50, qu'on a vu par au-dessus, qu'on a vu au sondeur latéral, qui est absolument magnifique. Elle est intacte, c'est une coque. Alors on va aller voir ce à quoi elle ressemble sous l'eau. On va aller voir ce qu'il y a un peu autour, ce qu'elle a dans le ventre, tout ça. Vous l'avez découvert quand il était avec nous? Non, on l'a découvert quand il était avec vous, ouais.
ce serait un peu plus calme là en arrivant, et en fait la mer elle est plus forte que ce qu'on imaginait. Très varié, hein, mais qui est qui a été compliqué. On leur a pas volé. Pas mal de glace, pas mal de glace au début, et là maintenant, une fin avec une météo digne du détroit de Bering. Je serais contente de t'en dire plus dans une vingtaine d'heures.